c'est pour... C'est poétique et subjectif. Bah, raconter une sorte d'histoire. À Bellevue. Tu vois, on fait des cartes comme ça. On met que ce qui est important pour la personne qui fait la carte. C'est là-bas. Par ici. Les coins verts. Les coins verts que j'essaie de trouver quand je cours. Il y a un petit parc derrière un immeuble. Enfin, on passe sous le porche. D'accord. Je pensais toujours que c'était privé. Ben, ouais. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, j'ai découvert un petit peu. D'accord. J'ai couru par là. Il est beau, ce parc. Il est bien entretenu. Et puis après, il y a plus loin, quand on descend, on traverse la place Mendès France, on continue, on poursuit pour aller récupérer pratiquement le pont, on est sous le pont. Et là, on peut récupérer un chemin où on se retrouve dans le bois jour, mais derrière, mais là, c'est un peu craignos. En fait, on longe, là, il y a une grande route, là. C'est le périph. Et on longe, là, toujours le chemin. Alors là, c'est un peu le... C'est sauvage. D'accord. C'est sauvage. Il y a des carcasses de mobilettes brûlées. Et là, on se dit... on va accélérer un peu. C'est le long du périph. Donc, il y a le bruit des voitures. Et ici, on aperçoit le pont, il me semble. Ouais. Le pont de Cheviré. D'accord. Et c'est, le contraste est intéressant là. Bon. Ouais. Mais on sait qu'on va arriver dans un endroit très vert et puis un peu sauvage. Et il y a le périph, le pont, on sait que c'est très. Enfin, ça fait un peu industriel, ça fait un peu. Ouais, c'est le contraste curieux. Et c'est un peu ça qui finalement fait un peu peur. Je me disais. Si je crie, on ne m'entend pas. Mais oui. Ce qui est le bruit des voitures.